Madame, bonjour messieurs. Il y a un mois tout juste, alors que nous achevions notre cycle d'histoire d'Andalousie, je vous annonçais notre retour et un retour autour d'un cycle en France. Nous voici donc, nous sommes de retour et nous allons parler toute cette semaine d'histoire d'Île-de-France aux côtés de notre invitée de la semaine, Charlotte de Mallet, historienne, historienne de l'art, guide conférencière. Certains parmi vous la connaissent peut-être, ont fait sa connaissance lors de notre croisière impressionniste de 2019. D'autres peut-être vont voyager à ses côtés lors du voyage Île-de-France du 12 octobre. Le principe de nos causeries, de nos histoires est toujours le même. Pendant une demi-heure, notre invité va vous proposer un exposé, ainsi vous pourrez faire sa connaissance, vous pourrez également faire connaissance avec les lieux que nous proposons à la visite lors de nos voyages. Nous avons retenu l'Île-de-France, c'est une terre riche, l'ancien domaine royal, une terre riche en histoire, une terre d'histoire aussi, une terre de création artistique. Et donc, au travers de cette sélection, nous avons choisi deux grandes figures, deux hauts lieux, des collections d'art. Cette promenade dure donc à peu près une demi-heure. Pendant cette demi-heure, vous avez évidemment tout loisir de commenter, de questionner notre intervenante, Charlotte de Mallet en l'occurrence. Et à l'issue de l'exposé, Charlotte vous répondra. Vous pouvez également visionner, pardon, cette séquence en rediffusion, laisser des commentaires et par ailleurs vous abonner à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner, au demeurant, depuis que nous avons commencé ces causeries, depuis le mois de juin donc. Et vous pouvez partager, vous pouvez donc diffuser la bonne parole, faire connaître nos voyages également, puisque des liens se trouvent sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, nous débutons notre promenade par l'histoire de la Malmaison. La Malmaison, c'est une demeure aux proportions inhabituelles. C'est surtout une demeure qui est rentrée dans l'histoire de France du fait de son occupante la plus connue, Joséphine de Beauharnais, l'impératrice Joséphine, femme de Napoléon Bonaparte, qui a créé ici un décor tout particulier. C'est une des plus belles illustrations de ce que nous appelons communément le style Empire. Et également, il y a autour de cette maison un jardin que Joséphine souhaitait être le plus beau de l'Europe. Charlotte de Mallet, je vous laisse nous présenter et nous expliquer les lieux. Bonjour Martin, bonjour à tous. Contente de vous trouver ou de vous retrouver pour certains. Effectivement, nous allons commencer nos pérégrinations en Île-de-France par ce château de la Malmaison, qui donc est totalement lié à la personnalité donc d'une femme exceptionnelle, Joséphine, l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Alors, avant de parler de son implantation, de son rôle, de la Malmaison qu'elle a littéralement façonnée de ses mains. Je voudrais d'abord commencer par vous raconter un tout petit peu ses débuts dans la vie. Elle a eu une vie véritablement exceptionnelle dans une période très particulière qui est celle de la fin du XVIIIe siècle, qui, vous le savez, en France a été tout petit peu troublée, un peu houleuse avec la Révolution, et dans laquelle, à ma foi, Joséphine, ou plus exactement Marie-Joseph Rose de la Pagerie, a réussi à louvoyer, naviguer pour éviter donc des problèmes qui auraient pu engendrer, voire même sa mort, hein, puisqu'elle a frôlé la guillotine à un moment. Alors, elle est née en 1763 à la Martinique, en tant que Marie-Joseph, Joseph sans E, hein, le Joseph prénom masculin, Rose de la Pagerie, dans une exploitation de canne à sucre qui fait à peu près 200 hectares, qui exploite et raffine le sucre, ce qui permet à sa famille d'avoir un certain train de vie. Elle est l'aînée de la famille, elle a une petite sœur et elle va passer ses premières années dans cette maison, environnée de tout un tas de fleurs, un beau jardin, plus la nature tout autour. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle va avoir ce goût assez développé pour la nature qu'elle recréera donc à la Malmaison.
sa vie change, bascule. En 1779, lorsqu'elle prend son bateau, toute seule, elle a donc 16 ans, hein, pour aller épouser un capitaine, Alexandre de Beauharnais, en fait, par l'intermédiaire d'une tante hein, qui a créé le mariage, littéralement. Et donc, elle va épouser cet homme qui est un peu plus âgé qu'elle, qui surtout a déjà une vie très, très organisée à Paris et qui n'arrivera pas finalement à créer véritablement un couple avec cette jeune épouse. Alors, ils ont quand même deux enfants. Eugène, d'abord, qui est né juste après leur mariage, quelques mois plus tard, et puis ensuite Hortense en 1783. Mais le couple va se séparer très vite après la naissance d'Hortense et Joséphine va connaître quelques difficultés. En fait, Alexandre a du mal à payer la pension, hein, tout simplement. C'est déjà des problèmes d'argent qui les désunissent. Et finalement, elle va même retourner à la Martinique en 1788 en espérant donc pouvoir vivre aux côtés de ses parents de manière un peu moins difficile que ce qu'elle faisait à Paris. Seulement là, la Révolution va la surprendre. Donc, elle va revenir à Paris où elle profite finalement de son mari qui joue un vrai rôle hein, dans les débuts de la Révolution. C'est un proche de Mirabeau. Il va diriger l'Assemblée constituante pendant quelques temps. Donc, elle peut en profiter. Ils ne forment toujours pas un ménage, mais au moins, elle a plus de moyens, elle peut se permettre de payer une éducation un peu meilleure à ses deux enfants, et elle-même fait ce qu'on appelle son réseau. Donc, dans cette société qui est en pleine ébullition, jusqu'en 1794. Alors là, ça se gâte un peu, tout simplement parce que se met en place le régime de la terreur. Donc, Alexandre de Beauharnais va être arrêté. Puis elle-même et ses deux enfants aussi vont le rejoindre donc Alexandre dans sa prison. Ils vont tout faire pour essayer d'éviter la catastrophe, mais Alexandre n'y parviendra pas et Alexandre sera décapité en juillet 1794, juste avant Robespierre, hein, quelques jours avant Robespierre, ce qui, en revanche, Joséphine échappe à la guillotine, parvient finalement à être libérée ainsi que ses enfants. Alors, ce veuvage, entre guillemets, va l'arranger, si je puis me permettre, puisqu'elle va hériter des biens de son mari, donc elle ne connaîtra plus de difficultés financières et elle va pouvoir se lancer dans la société. Alors, il faut imaginer hein, cette société, après la terreur, c'est une véritable bouffée d'air hein, qui se met en place. On va atteindre ce qu'on appelle le directoire. Et là, les merveilleuses vont écumer les salons et Joséphine en fera partie. Elle est très liée avec Madame Tallien, dont vous avez un portrait là sur votre droite, ainsi qu'avec Madame Récamier, toutes ces femmes fort célèbres hein, qui tiennent salon, qui multiplient les amants, qui jouent les marieuses entre guillemets, mais qui ont aussi une influence politique très nette, puisqu'elles permettent dans leur salon le brassage de toute cette nouvelle société avec Barras, par exemple, qui est un des directeurs dont on a soupçonné d'ailleurs Joséphine d'être la maîtresse, avec les jeunes généraux hein, qui commencent à faire parler d'eux dans leurs guerres diverses pour sauver la France contre les menaces de l'Europe. Et c'est tout naturellement, alors qu'en 1795, elle va rencontrer un de ces jeunes généraux, justement, qui s'appelle Napoléon Bonaparte. Alors, les témoignages diffèrent hein, sur la façon dont ils se sont rencontrés. Madame Tallien a expliqué que c'était dans son salon qu'ils s'étaient vus une première fois lors d'un dîner, mais qu'ils n'avaient pas du tout été éblouis ni par l'un ni par l'autre. Bonaparte dira lui-même qu'en fait, c'est à la suite d'un acte de clémence auprès du jeune Eugène de Beauharnais à qui il a rendu l'épée de son père qui avait été confisquée. Et donc Joséphine serait venue le remercier et là Napoléon aurait été absolument ébloui, donc l'aurait harcelé entre guillemets positivement, s'entend, donc lui rendant sans cesse visite, lui déclamant des poèmes, lui faisant de multiples déclarations, lui offrant des bijoux jusqu'à ce que Joséphine donc cède et donc tombe dans les bras du jeune général. Ils vont se marier très vite puisqu'ils se marient début mars 1796. Alors à ce moment-là, de la part de Joséphine, c'est sans doute un acte de raison. Elle a en face de lui quelqu'un qu'elle vend en poupe, en face d'elle, pardon, quelqu'un qu'elle vend en poupe, qui manifestement va faire une brillante carrière. Il lui est sur le départ pour les campagnes d'Italie.
elle va prétexter, ou peut-être était-ce la réalité, on ne sait pas exactement, une grossesse qui aurait précipité ce mariage, qui donc est entouré, le Barras est témoin, Madame Tallien aussi, donc ça se passe toujours dans ce petit cercle, hein, mais qui fait un peu la pluie et le beau temps à Paris à cette époque-là. Et très très vite, donc Napoléon part, tandis que Joséphine donc reste à Paris. Alors un détail d'ailleurs sur cette union, Joséphine avait 6 ans de plus que Bonaparte. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'appelle Joséphine. C'est Napoléon qui va la prénommer, qui va féminiser son deuxième prénom de Joseph pour l'appeler Joséphine. Donc, on l'appellera aussi, nous, maintenant, comme cela. Et donc, sur l'acte de mariage, ils ont falsifié les dates de naissance. Ça ne se faisait pas d'avoir une épouse aussi âgée à cette époque-là. Bonaparte va prendre 1 an. Il va expliquer qu'il est né en 1768 au lieu de 69, et Joséphine va déclarer être née en 67 au lieu de 63, ce qui ramène la différence d'âge à 1 an, ce qui est tout à fait acceptable. Cette différence d'âge posera des problèmes après, bien sûr, pour des questions d'hérédité, de naissance, hein, postérieure. Alors notre Napoléon part en Italie. Il lui écrit tous les jours des lettres enflammées. Manifestement, Joséphine est beaucoup plus raisonnable. On n'est pas sûr qu'elle lui réponde beaucoup. Son général de mari la presse de venir le rejoindre en Italie. Elle se fait un petit peu tirer l'oreille. Puis quand finalement elle part, elle emmène dans ses bagages, il faut qu'elle soit protégée. Et elle va être protégée par un beau lieutenant, Hippolyte Charles, et des rumeurs de liaison, hein, vont apparaître très rapidement. Bonaparte est naturellement le dernier informé, il le sera quelques mois plus tard, mais on sait que dans les années 98-99, il a très sérieusement envisagé le divorce, faisant prendre peur à Joséphine, hein, qui à ce moment-là s'est découvert des sentiments nettement plus profonds pour son mari et va finalement former un couple assez solide à partir du moment où la carrière, après la campagne d'Égypte de Bonaparte, est lancée. Alors justement, pendant cette campagne d'Égypte, Joséphine fait une acquisition. En 1799, elle va acheter pour 325 000 francs, ce qui est une somme assez rondelette à l'époque, une petite demeure, pas très très loin de Paris, un petit château, pas très très grand, qui s'appelle la Malmaison. Alors Malmaison, ça veut dire la mauvaise maison, c'est pas très positif, mais c'est un lieu dit depuis fort longtemps. Elle achète ça à un financier qui est en mal de sous, justement, qui a mal joué au moment de la Révolution. Et elle va s'y installer sagement, sans faire aucune rénovation, en attendant le retour de son époux. Quand son mari revient, qu'il décide d'ailleurs de ne pas divorcer, parce qu'il aime beaucoup aussi les enfants de Joséphine, qu'il voudrait adopter, en fait, il va confirmer l'achat de Joséphine, et en fait, il va la rembourser. Donc, techniquement, la Malmaison, c'est d'abord la maison, c'est la maison de Joséphine, mais c'est Napoléon qui en est le propriétaire. Ils vont envisager de faire un certain nombre de travaux. Il est en mauvais état, les pièces sont petites, ça ne correspond pas au train de vie de ce personnage qui est devenu consul, puis premier consul, puis qui en 1802 deviendra consul à vie, donc qui devient chef de l'État, ni plus ni moins. Donc ils vont demander à partir de 1800 à 2 architectes, Percier et Fontaine, qui sont de jeunes architectes, qui rentrent d'Italie d'ailleurs, où ils ont appris beaucoup sur le néoclassicisme, de faire un plan et de faire de nouveaux travaux. Alors, si vous regardez le plan que vous avez juste ici, vous voyez qu'ils envisageaient quand même des aménagements extrêmement importants en créant un double corps de logis autour donc d'une arrivée en hémicycle et puis toute une série de jardins avec des terrasses très classiques tout autour. En fait, Bonaparte fait ses poches et se rend compte qu'il n'aura absolument pas les moyens de réaliser les travaux, les projets de ces 2 jeunes architectes. Donc, il garde les architectes, mais il rejette les plans. Et il va leur demander juste de réaménager l'existant. C'est pour ça que la Malmaison, en fait, n'a pratiquement pas changé à l'extérieur. Ils vont surtout faire des travaux d'aménagement intérieur. Ils vont se transformer, certes en architectes, mais aussi en décorateurs, puisqu'ils vont très largement aussi faire dessiner les meubles
qui sera ensuite réalisé par les ébénistes de ce qui devient l'empereur, etc. Donc un exemple, par exemple, le vestibule devait au départ être une très grande pièce. Finalement, comme on joue à l'économie, Percier et Fontaine vont ajouter 4 poteaux que vous avez ici. Alors en fait, tout simplement parce que les poutres qui sont au-dessus sont assez fragiles et sont menacées de se rompre. Donc ces colonnes sont là pour servir et tenir les poutres. Et les colonnes sont en bois. Vous voyez qu'elles ont été coffrées par des stucs qu'on a décorés comme des faux marbres. Et on rajoute un carrelage en échiquier, très à la mode, hein, ce genre de carrelage à cette époque-là, qui va donner une ambiance extrêmement monumentale, très, très ample, qui va amplifier là encore les volumes. Alors, une petite astuce aussi de la part de Percier et Fontaine. Derrière les statues, vous avez des miroirs hein, qui sont juste ici sur les différentes arcades cintrées qui entourent donc ce vestibule. Alors en fait, ça permet de démultiplier l'espace quand ils sont fermés. Et en fait, ce sont des miroirs coulissants. Donc si vous les ouvrez, ça permet d'avoir une pièce beaucoup plus grande, notamment quand les Bonaparte faisaient des réceptions. Ça permettait d'avoir une salle qui utilisait une bonne partie du rez-de-chaussée. Si l'on regarde un petit peu ailleurs, alors ils ont aussi fait pas mal d'aménagements dans les étages intérieurs et tout ça a fragilisé en fait la structure de la malmaison. Donc je vous montre juste cette petite diapositive où vous voyez la façade extérieure et vous voyez qu'ils ont été obligés de rajouter des contreforts par rapport à la façade d'origine du XVIIIe siècle. Sont un petit peu massifs, alors ils ont eu la bonne idée de mettre des sculptures ou des pots hein, qui allègent et qui décorent cette façade, mais ces piliers ont un véritable rôle structurel, architectonique, pour la simple et bonne raison que la malmaison était fragilisée. Alors cette première tranche de travaux a lieu entre 1800 et 1801. Les Bonaparte habitent à Paris aux Tuileries, Joséphine s'y ennuie à mourir, et viennent passer le week-end du vendredi midi au lundi matin, comme tout Parisien qui se respecte, donc à la campagne, histoire de prendre l'air. C'est un moment où donc Bonaparte travaille beaucoup à la Malmaison, qui devient aussi un des centres du pouvoir de ce qui va être l'Empire dans très peu de temps. Et puis, on va avoir une deuxième série de travaux à la Malmaison à partir de 1810. Voilà par exemple la chambre de l'impératrice qui a été complètement refaite après le divorce, avec alors là des décorations intérieures assez étonnantes. Il y a certainement eu d'ailleurs des remodellements après sous Napoléon III. Mais vous voyez donc vraiment l'idée, là pour le coup, très impériale aussi, de transformer cette chambre un peu comme une gigantesque tente grâce aux tentures que vous avez là et donc aux parties supérieures qui encadrent le plafond qui sont faits avec des brocarts et des gaufrages d'or. Et puis donc ce grand lit à l'impérial, typiquement dans le style empire, avec donc des motifs d'animaux, des dorures, tout comme le petit bassin que vous avez donc juste à côté, très caractéristique, donc c'est le style impérial. La visite de la Malmaison est effectivement très instructive hein, sur ce style empire qui se développe et dont Joséphine a été une des grandes mécènes, en quelque sorte, grâce à son rôle dans le décor de la Malmaison. Alors, cette malmaison, je vous le disais il y a quelques instants, est d'abord et avant tout un lieu de villégiature. C'est un lieu de résidence de week-end. Mais les Bonaparte, au moment du consulat, puis même au début de l'Empire, vont en faire aussi une maison où l'on reçoit beaucoup. Ça peut être d'ailleurs des choses très légères. Hein. On voit ici Bonaparte qui court après une jeune femme. Le couple est parfois assez libéré, il faut bien le dire, mais aussi un lieu de réception. Vous avez ici un général tout à fait harnaché. On va recevoir les rois étrusques, c'est-à-dire les rois d'Italie, hein, donc qui sont des commensaux de Bonaparte, de Napoléon, on peut l'appeler comme ça à partir de ce moment-là. Donc on joue à Colin Maillard, on joue dehors où on pique-nique bien volontiers, dans le parc. On va aussi tenir salon
avec dans le grand salon de bain, animer les conversations par les tableaux hein, que vous avez sur les murs, ou jouer aux cartes, hein, tout simplement, qui est un des grands loisirs que l'on a depuis le XVIIIe siècle, d'où ces tables rondes avec quatre chaises qui permettent de jouer donc aux jeux à la mode. On peut aussi aller écouter de la musique dans le salon de musique. Voilà une représentation de ce salon. En 1812, une aquarelle qui est conservée d'ailleurs à la Malmaison, ou vide pour ce moment-là, mais qui accueillait donc quelques récitals, et où Joséphine et Hortense, d'ailleurs, hein, sa fille, jouaient donc pas mal de musique, notamment de la harpe hein, que vous avez juste ici, instrument qui à l'époque normalement était plutôt réservé aux hommes, mais ce qui n'empêchait pas certaines femmes d'en jouer. On avait aussi parfois des lectures dans la bibliothèque qui donc est ici conservée, qui permettait peut-être aussi d'animer un certain nombre de conversations un tout petit peu plus intellectuelles, un peu plus littéraires, ou également à l'empereur, puisqu'il y avait son bureau de recevoir lorsqu'il travaillait quand il était à la Malmaison, donc tout au long de ses séjours jusqu'en 1809, hein, donc date du divorce. Donc, des salles qui rappellent hein, donc cette vie qui était vraiment animée, agitée et qui a donné à la Malmaison un véritable rôle hein, au sein de l'État français entre donc le palais officiel, palais des Tuileries, puis le palais de week-end, si je puis dire, qui du coup permettait au couple en même temps de s'aérer et en même temps de travailler. Alors, Joséphine, elle a un rôle de conseil auprès de son mari. Elle a surtout un rôle du paraître. Et là, pour le coup, elle a gardé ce sens de la mode inné et inouï qui est vraiment très, très intéressant. Voilà une petite, là encore, une petite aquarelle qui vous montre Joséphine devant sa glace en train d'essayer une de ses nouvelles robes dont voici par exemple un exemple qu'elle mettait en 1810 et qui est conservé donc dans un musée à New York, au Metropolitan de New York. Je voudrais juste, alors je suis désolée, je prends mes lunettes, et juste vous donner l'inventaire de ce que l'on a retrouvé donc à sa mort en 1814 dans ses armoires à la Malmaison. On a retrouvé 230 robes, 100 châles, 450 chemises, 368 paires de bas, 876 mouchoirs, 44 chapeaux, et on n'a pas compté les centaines de paires de chaussures, de gants, de fourrures, tous les accessoires, bijoux, etc., dont elle a été fort friande. Alors, c'est une véritable fashion victime. Elle donne le ton, elle est à la mode, même encore à 45 ans, et tout le monde suit les nouveautés vestimentaire qu'adopte l'impératrice, sachant qu'elle continuera une fois le divorce et que Napoléon sera obligé de couvrir ses dettes qu'elle a fort importantes, hein, tout simplement parce qu'elle passe son temps à acheter des habits. Alors, ça a un rôle aussi, c'est le rôle de la première dame, ça permet aussi de faire travailler les artisans, de faire travailler les courturiers, faire travailler les orfèvres. Elle le fait aussi dans ce sens-là, mais incontestablement, elle avait une coquetterie débridée, mais qui donc était intégrée dans le rôle politique que Napoléon lui avait laissé, lui avait donné. Et puis, peut-être le plus important quand même du rôle de Joséphine, peut-être plus privé, mais vraiment important, parce que ça correspond très nettement à un goût très, très personnel. C'est son rôle dans l'aménagement du parc de la Malmaison. Alors, quand elle l'achète, que Napoléon confirme l'achat, la Malmaison est entourée de 70 hectares de terre qu'elle va faire enclore pour en faire un parc privé. Quand Joséphine meurt, elle a acheté des terres, elle a acheté une deuxième propriété qui jouxtait la Malmaison, qui est le petit château de Bois-Préau. Et le domaine fait presque 800 hectares. Vous voyez, donc elle a quand même beaucoup, beaucoup acheté des terres et elle a essayé de créer un jardin qui soit un jardin nouvelle manière. On sort au XVIIIe siècle, déjà Marie-Antoinette avait commencé de sortir du carcan des jardins à la française pour intégrer
des jardins à l'anglaise, ce que cherchera à faire Joséphine donc à la Malmaison. Alors elle commence en demandant à Percier et Fontaine, qui sont architectes, de créer une véritable architecture de jardin en faisant des ondulations, des collines, en aménageant des petits kiosques, un petit temple à l'amour aussi. Mais finalement, ce qu'il réalise ne lui convient guère. C'est le deuxième architecte, Berthaud, qu'elle engage à partir de 1810, qui saura véritablement exprimer hein, tout ce qu'elle espère hein, pour son parc, avec des trouées comme ce que vous avez ici, hein, ce que l'on voyait donc à partir du château vers l'arrière, ces grandes trouées, ces bosquets d'arbres, ces ondulations, des chemins hein, qui permettent de serpenter, qui permettent d'écarter la vue, quelques bancs, histoire de se délasser. Ça, c'est l'aménagement général. Mais Joséphine, elle va avoir un rôle majeur dans tout ce qui relève de la botanique, les fleurs. Alors, pour ce faire, elle va faire construire par Berthaud, c'était commencé auparavant, mais c'est Berthaud qui termine, une serre absolument colossale qu'elle adosse contre une colline, une serre chaude, donc qui est orientée plein sud, avec des plaques de verre par-dessus, qui fait plus de 400 mètres carrés, hein, donc c'est vraiment un très très grand espace, et dans lequel elle acclimate toutes sortes de plantes qu'elle fait venir d'absolument partout. D'ailleurs, les explorateurs, on est encore hein, au stade des explorations par les bateaux, lui envoient des graines, lui envoient des pousses, qu'elle va essayer d'acclimater d'abord sur la Côte d'Azur, et c'est la première qui va expliquer que on peut peut-être faire une phase intermédiaire donc sur la Côte d'Azur, sur la Riviera, qui a un climat un petit peu à part. Puis ensuite, elle fait expédier par le préfet de Côte d'Azur donc ses plantes dans sa serre chaude pour essayer de l'acclimater. Donc, il va y avoir un camélia, il va y avoir des dahlias, des plantes hein, qui sont exotiques et qui, pour la première fois, vont s'adapter, s'acclimater en France. Qu'est-ce que serait qu'un jardin maintenant sans dahlia ? Ce serait quelque chose qui est totalement impensable maintenant. Il faut imaginer que ça nous vient de Joséphine. Alors, il y a aussi des plantes beaucoup moins intéressantes hein, qui seront abandonnées par la suite, mais on estime qu'elle a fait venir plus de 400 espèces nouvelles qui sont, même si toutes ne sont pas restées, un certain nombre le sont. Alors, cette serre chaude lui permettait aussi de recevoir donc un certain nombre de visiteurs. Il y avait donc une pièce qui était adaptée. On avait mis aussi quelques statues grecques, quelques vases, et puis vous voyez toutes ces espèces exotiques, palmiers, arbres. La serre pouvait accueillir des arbustes qui montaient jusqu'à 4-5 mètres de haut, et c'était un lieu de visite, de plaisir, au même titre que le jardin. Donc là, le rôle de Joséphine hein, est vraiment incontestable, et jusqu'à sa mort, elle va s'y intéresser très très étroitement. Elle va aussi faire développer de nombreuses espèces de roses, 200 d'après ce qu'on sait, et qui vont être testées, qui vont être greffées par ses jardiniers, qui vont être aussi reproduites. Elle prend un aquarelliste qui s'appelle Redouté, à qui elle fait faire deux albums, un album avec les fleurs de la Malmaison, hein, par exemple ici, des quelques espèces qui sont représentées, puis un autre album juste sur les roses hein, que l'on continue à élever. Donc, dans le parc de la Malmaison, on continue aussi à en créer, là par exemple, une rose souvenir de Joséphine, hein, donc qui date de 2014, enfin, qui, c'est la plantaise, la rose date de 2014, mais qui montre que la tradition de ces roses est bien, bien vivante encore, et ce qui a permis de donner ce surnom d'impératrice des roses à Joséphine. Alors, à l'impossible, elle n'est tenue. Pendant quelque temps aussi, Joséphine s'est dit que cet intérêt pour l'exotisme floral pouvait aussi passer s'intéresser également aux animaux. Donc, elle va réaliser une espèce de ménagerie. Alors voilà ici une gravure qui, en fait, est une gravure qui illustre des voyages
de prospection, d'exploration. Et pourtant, on nous montre à l'arrière-plan la malmaison et devant un certain nombre d'animaux, des kangourous, des cygnes noirs d'Australie qu'elle avait fait venir et qu'elle a essayé là aussi d'acclimater. Alors, c'était une ménagerie, c'était pas comme à Versailles où les animaux étaient plus ou moins en cage. Là, elle essayait de les faire vivre de manière assez libre dans un espace qui était ouvert et qui permettait donc à ces animaux de s'ébattre de manière un peu plus libre. Bon, ça n'a duré qu'un temps. En 1805, elle va expédier ses animaux au jardin d'acclimatation parce que ça se passait pas très bien, hein, donc à la malmaison. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est cet intérêt, hein, quand même pour l'exotisme. Peut-être là encore son origine de la Martinique qui l'a profondément marqué et qui en faisait quelqu'un qui était très ouverte vers l'extérieur et vers les terres lointaines, hein, dont elle admirait, hein, tout ce qui était la production et qu'elle aurait bien aimé donc intégrer, acclimater à la France. Alors, cet heureux temps de l'Empire va durer jusqu'en 1809. Pour des raisons d'État, bien évidentes, 1809, Joséphine a 46 ans, pardon. Donc, il n'y a plus aucun espoir qu'elle puisse donner un enfant à l'empereur. Napoléon commence ça fait quelques années déjà, à se préoccuper donc de l'avenir de cet empire. Donc, la mort dans l'âme, elle va accepter le divorce par cette lettre qui est conservée aux Archives nationales où elle explique que donc pour le bien de l'Empire, pour le bien de son époux, et malgré donc tous les témoignages d'affection et d'amour du peuple français qu'elle a reçus, elle consent donc à libérer l'empereur de ses liens de manière à ce qu'il puisse contracter une nouvelle union et obtenir des descendants. On raconte que quand Napoléon lui a fait part de sa décision, Joséphine s'est évanouie deux fois, mais elle a accepté donc bien évidemment ce que lui imposait donc son époux. Alors Napoléon est relativement généreux, il lui laisse le titre d'impératrice douairière, il lui donne le palais de l'Élysée. Le château de Navarre qui se trouve près d'Évreux et elle sera donc duchesse de Navarre également et la Malmaison. Donc à ce moment-là, la Malmaison devient la propriété propre de Joséphine et elle va d'ailleurs y passer beaucoup de temps. Au début, elle habite plutôt à Évreux puis finalement, c'est ce château de la Malmaison qu'elle préfère. Donc elle vient s'y réinstaller assez rapidement et elle va y avoir un rôle. Elle continue à s'occuper beaucoup de son jardin. Elle s'occupe aussi beaucoup de ses enfants et de ses petits-enfants. Hortense de Beauharnais a épousé un frère de Napoléon, a deux enfants dont elle s'occupe beaucoup, notamment un qui s'appelle Louis Napoléon et qui va devenir l'empereur Napoléon III et qui gardera des souvenirs de cette enfance à la Malmaison auprès de sa grand-mère très très fort. Elle continue à recevoir aussi des visites. Donc, on sait par exemple qu'en mars 1814, elle va recevoir donc la visite du tsar Alexandre Ier. Alors, c'est pas du meilleur goût puisque Alexandre Ier était là en tant qu'ennemi. Hein. Il venait de combattre Napoléon et donc d'obtenir sa première abdication. Et donc, elle va le recevoir. Donc, c'était en mai, pardon, parce qu'il avait demandé expressément à voir Joséphine. Joséphine entretenait d'ailleurs des liens épistolaires encore très étroits avec Napoléon, suivait de près hein, son action et donc était encore très très proche de l'empereur qui, vous le savez, avait épousé Marie-Louise et avec laquelle il n'avait pas véritablement formé de liens très étroits. Et donc c'est après la visite d'Alexandre Ier que Joséphine va ressentir le mal d'une bronchite qui va la clouer au lit et va la tuer. Le 29 mai, elle s'éteint, 29 mai 1814, donc à la Malmaison, dans son lit, dans sa grande chambre. L'empereur est prévenu aussitôt, tout de suite quand le messager arrive en lui disant « j'ai une mauvaise nouvelle, ah, c'est Joséphine ». Donc vous voyez, il était resté aussi très très proche de sa première épouse. Elle va être enterrée d'abord provisoirement dans un caveau dans l'église d'Orbeil-Malmaison, avant que ses enfants,
Eugène et Hortense finalisent et payent ce monument funéraire qui est toujours dans l'église de la Malmaison, où le sculpteur Cartelier va la représenter dans la position qu'elle avait le jour du sacre, donc le 2 décembre 1804, avec donc, sauf qu'elle n'avait pas de couronne, puisque le pouvoir en place, donc la Restauration, le roi, avait refusé que l'on la représente avec ses attributs d'impératrice. Ce monument continue à recevoir quelques offrandes de fleurs assez régulièrement, en mémoire à cette femme dont la destinée a quand même été exceptionnelle et qui, donc, par l'âme qu'elle a mise dans cette maison, fait de la Malmaison, véritablement, à tout jamais, le cœur même de cette impératrice des roses. Merci Charlotte pour cet exposé qui nous a permis de voir Joséphine revivre à nos côtés. Je me permets d'emblée de présenter quelques excuses à certains internautes qui nous ont fait part de difficultés, manifestement Internet est capricieux, peut-être est-ce le mauvais temps chez nous, mais il y a des problèmes de liaison. Alors certaines images ont mis du temps à arriver sur les écrans, me disent mes collègues de la régie. Parfois le son n'a pas toujours été parfait et un petit peu altéré certains mots. Donc nous allons veiller à optimiser nos réseaux, à voir, nous souhaitons, puisque la météo va devenir plus clémente, que les réseaux vont être moins capricieux ces jours prochains. Par ailleurs, donc, nous avons déjà reçu quelques questions. J'invite les internautes à poursuivre le dialogue avec vous, puisque c'est le principe de nos causeries. Vous êtes, Charlotte, présente chez eux. C'est pour ça que nous diffusons ces causeries en direct. Première question, vous y avez en partie répondu. Pouvez-vous nous dire quel était le rôle de Joséphine auprès de Napoléon ? Vous aviez présenté son rôle par rapport à la mode, par rapport aux dépenses, par rapport à l'esthétique. Mais je me permets de compléter. Est-ce qu'elle avait eu un rôle politique ? Étant donné la personnalité de Bonaparte, on ne peut que penser un rôle modeste à ses côtés. Mais je vous laisse répondre. Alors, effectivement, ce n'est pas un rôle majeur. Mais Napoléon a su très très bien jouer en fait de la personnalité de Joséphine, qui paraît-il avait un charme assez extraordinaire, avait un sourire formidable. Donc il lui a donné le rôle de jolie figure auprès de lui, de figure calme, patiente, d'épouse dévouée, mais aussi elle recevait un certain nombre d'ambassades où on parlait de la pluie du beau temps, mais qui permettait d'avoir la jolie face, je dirais, du régime napoléonien par rapport donc à la politique menée tambour battant par son mari. Et puis, par ailleurs, on sait qu'au moment du coup d'État, du 18 Brumaire, elle a beaucoup joué de tout le réseau qu'elle connaissait pour permettre d'obtenir un certain nombre de soutiens juste avant ce coup d'État qui installe Bonaparte au pouvoir. Merci Charlotte. Deuxième question, est-ce que la bonne société imite le style de la Malmaison ou estime que c'est un goût de nouveau riche ? Je me permets juste un mot, la Malmaison, il y a une certaine exubérance parfois dans les meubles qui ont été dessinés pour Joséphine, il y a notamment la salle de bain, des meubles avec des cols de cygnes phénoménaux, on pourrait presque croire que c'est un mobilier de star hollywoodienne ou à peu près. Alors, il est vrai aussi que la bonne société d'Ancien Régime, dans les premiers temps, boude un peu l'Empire, mais l'Empire, s'inscrivant quand même dans le temps long de l'histoire, finit par se rallier à l'Empire. Il y a une emprise du style Empire qui se diffuse partout et qui dure même au-delà du règne de Napoléon Ier. Donc, je vous laisse compléter. Donc, vous avez raison, en fait, c'est très exactement ce qui s'est passé. Joséphine et Napoléon donnent le là à la Malmaison. Ils vont aussi meubler une partie des Tuileries, remeubler une partie des Tuileries. Ils vont faire de grands décors. On sait que Notre-Dame avait été transformée en temple gréco-romain au moment du sacre. Bref, ils jouent à fond la carte esthétique. Et puis ils vont la bonne société en fait impériale va se diviser en deux. Vous avez la nouvelle société, tous les généraux,
Je pense au maréchal Lannes, je pense au général Espagne, je pense à Berthier, à Murat, etc., qui s'engouffrent immédiatement dans la brèche et qui sont priés de construire ou d'aménager et réaménager des demeures. Donc dans le goût qui est effectivement un peu kitsch parfois, comme on le voit donc à la Malmaison. La société plus traditionnelle, ancienne aristocratie ou bourgeoisie qui est un peu plus rétive en fait au départ, et finalement va prendre la part la plus sobre, je dirais, de ce style empire, qui se transformera naturellement après dans ce qu'on appelle le style restauration, en amplifiant et en rendant des formes un petit peu plus massives, mais le démarrage part du style empire aussi. Merci Charlotte. Troisième question, que devient la Malmaison après la mort de Joséphine ? Alors, la Malmaison va passer à Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine, à Eugène et Hortense, très exactement. Mais Eugène étant vice-roi d'Italie, après, il est parti en exil. Hein, donc, il s'est installé en Allemagne, où il avait une dizaine d'enfants. Il avait épousé une Bavaroise. Donc, Eugène est propriétaire, mais c'est surtout Hortense hein, qui va en profiter jusqu'à sa mort qui intervient, je retrouve l'année exacte, et donc qui va entretenir, je dirais, la flamme. Et puis la maison passera tout simplement à Napoléon III, à Louis-Napoléon, puis Napoléon III, petit-fils, puisque Hortense avait épousé, donc je vous le rappelle, le jeune frère de Napoléon. Et donc, c'est le petit-fils de Joséphine était le propre neveu hein, donc, de Napoléon. Donc, à la suite de quoi, ça va rester dans la famille Napoléon jusqu'à ce que ce soit transmis en fait à l'État dans le courant du XXe siècle. Merci Charlotte. Quatrième question, est-il possible de visiter la serre chaude que vous avez présentée lors de votre exposé ? C'est une excellente question. J'avoue ne pas bien connaître la réponse. On va le dire, ça fait la dernière fois que j'y suis allée, j'ai pas pu, mais je crois qu'elle a disparu plus ou moins. Donc malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas visiter. Lors de la visite du domaine, on visite le parc, à mon sens, enfin, et dans mon souvenir récent, le parc et le château avec ses intérieurs, mais oui. Pour moi, la serre n'est pas accessible. C'est ça. Donc, tout à fait. Je ne vois pas d'autres questions d'internautes pour le moment. Les internautes peuvent évidemment ensuite laisser des commentaires sur la page de votre intervention. Peuvent évidemment aussi nous laisser cliquer sur le pouce levé pour nous dire qu'ils ont aimé votre intervention. Le fait est que nous nous retrouvons demain pour parler cette fois-ci de la collection de Chantilly. Donc rendez-vous demain à la même heure. Je vous remercie, Charlotte de Malais. Je remercie nos internautes pour leur fidélité. Ils ont été nombreux à être au rendez-vous dès aujourd'hui. À demain, à bientôt. Au revoir et à demain.